Maman m'a toujours dit pas de mouton dans les gâteaux. Non. Salut tout le monde! Ici Gabrielle Boulet et aujourd'hui je fais le Not My Hands Challenge. Si vous savez pas, ben c'est pas vraiment mes mains. C'est Madjo Daou! C'est moi! Alright! Aujourd'hui, on va faire un petit gâteau, un Betty Crocker au petit rainbow. Donc, ça risque d'être quand même facile. Moi, je dis que c'est pas un challenge, que nous autres, des gâteaux, on en fait tout le temps. Mes cheveux. Oui, mes cheveux sont dans le chemin. Donc, on va commencer par ouvrir l'emballage de la boîte ici, où on va trouver en dedans l'emballage où on trouve la poudre de gâteau. Donc, on fait juste tasser ça du côté. On peut lancer la boîte, hein, des fois, quand c'est dans le chemin, on est là. Oh, yes! Donc, on va ouvrir l'emballage ici. Ici. Ici, dur. Eh, faut passer la pâte. Et on va le vider dans le pot en avant de nous. Ici, bon, oui, oui, oui. Donc, on va. C'est ça. Ouais! Ça sent bon. Donc, maintenant, nous avons l'huile. L'huile végétale où j'ai mis. J'ai déjà séparé, parce que je me suis dit que ça devrait être plus facile, la moitié d'un cup d'huile végétale. Donc on met ça dans le pot et on... on met ça discrètement avec le lait, où on ajoute le lait. Non. On va le mettre de côté, celle-là. Donc le lait, oui le lait ici, on a un cup de lait qu'on va mélanger tranquillement à notre mélange de gâteau, juste pour faire certain qu'on enlève tous les moutons. On va commencer à brasser en même temps discrètement. Donc oui, on brasse en même temps. Comme ça, on fait sûr que les moutons au côté à droite, en haut, qu'on les mélange bien. Ça a l'air délicieux. Donc, tranquillement, pas vite, on va casser 3 œufs qu'on va les mettre dedans. Donc, Betty Crocker prend 3 de mes œufs. J'en ai juste 6, fait que la moitié part déjà là de ma grosserie. Donc, discrètement, on va casser les œufs, c'est bon. Il n'est même pas tombé dedans! Bon, on va essayer. Il me reste 2 œufs, mais ça, donc on ne peut pas discuter. On peut mettre la coquille dans ma boue. Maintenant, on va la mettre 2 autres, vu qu'il nage et il n'a pas fait le pot, lui. C'est comme une petite tortue qui ne s'est pas rendue au bout de l'océan sans se faire manger par les aigles. Donc, il nous reste un œuf à mettre. Oh wow, bravo mi. Alright! Donc on mélange le tout. Donc c'est le temps de prendre notre petite baguette magique. Non, les yeux, on est assis, hein? On va en mettre trop. On mélange tout bien. Ouais, on fait le petit moteur. Oh, je viens de boire une coquille! Ok! Ah, au coin à gauche, là, ça a l'air d'être besoin d'être mélangé un petit peu au coin à gauche. Oh oui. Donc, je pense que c'est pas mal bien mélangé. On va tasser ça de côté. On va le tasser de côté. On va prendre le petit pot en vide en avant. Oh, j'ai la visée à l'envers, j'ai pas mis par le contact. On a du pain, mais ça, c'est pour pas que ça coule. On va passer à en mettre bien partout. On va le brasser avant. Alright! Là, on met ça partout dedans le pot, à toutes les extrémités, pas trop, on fait sûr de... Wow! Oh, on peut même exagérer plus que ça. Oui! Yes, sir! Donc, c'est ce qu'on fait. Donc là, on va prendre le mélange à gâteau, puis tranquillement, pas vite, on va pouvoir le vider. Ça me dit quand ça arrive. On va boire. Donc, on va tranquillement mettre le mélange dans le pot pour faire un bon Betty Crocker gâteau bonbon rainbow. Oh, la poudre! Wow! Ok, oh oui, on fait sûr que la poudre est mélangée. Parce qu'on ne veut pas de mouton dans nos gâteaux. Maman m'a toujours dit pas de mouton dans les gâteaux. Non. Est-ce qu'on peut le chambre?
Oh non. Yeah, alright tout le monde. Au cas où vous avez manqué ça parce que c'est pas dans la caméra, c'est pas dans le cadre. J'ai ma champleur que j'ai comme bougé pour pas qu'elle ait dans l'angle de la caméra. Tant qu'on réalise que c'était l'eau qui coulait du robinet comme à full pin à terre. Donc, c'est ce qui s'est passé, pourquoi on a manqué comme 10 minutes de juste qu'il m'a piscine au culotte. Donc, on était rendu à la fin. Donc, voici, je suis très très fière de notre Betty Crocker Rainbow Mix. J'ai très 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 hâte de le manger. On va partir le four à 365 degrés. Puis on va revenir pour faire la décoration avec vous autres. Ça va être super parce que j'ai trouvé des petits sprinkles puis des petits glaçages bleus où j'avais envie de faire peut-être un petit dessin pour la fête de quelqu'un. Est-ce que c'est la fête qu'il y a un gâteau? Des gâteaux coquets de... Donc tout le monde, nous avons le gâteau qui est prêt, qui a pas donné ce qu'on voulait parce que je pense que la moitié est collée dans le fond du pan, mais c'est pas grave. Voici notre beau Notre beau Betty Crocker Rainbow Cake que nous allons manger. J'avais pensé de décorer, mais regarde, écoute, même s'il est tout magané, c'est pas grave, on va le décorer un peu parce que c'est toujours meilleur avec des glaçages. Des glaçages blancs. Il va du force. Wow! N'oubliez pas de subscribe à mon channel. À Gabrielle Boulet officiel pour des vidéos. Des fois ils ont rapport, des fois ils n'ont pas rapport, mais c'est jamais grave. On finit avec un petit peu de petite bille sur le top de mon gâteau. Après ça, c'était sur le gâteau. Donc, merci beaucoup. À dans deux semaines. Je vous aime.